Pathétique, dire que Karim Benzema a peu apprécié d'être choisi en guise de photo d'illustration d'un article du site d'information Atlantico sur la bagarre Karis versus Booba à Orly est un euphémisme. Sans qu'on puisse l'expliquer, l'attaquant du Real Madrid s'est retrouvé pendant quelques minutes, avant que le site ne modifie sa photo, au-dessus d'un texte qui n'avait rien à voir avec lui. Ce qui a d'abord provoqué la colère de son agent, Karim Jaziri. Ce dernier a ainsi demandé des excuses. Bonjour les responsables de @atlantico-fr. Pensez-vous publier des excuses à @benzema pour l'article que vous avez publié avec une photo de lui? Ou visiblement il n'y a pas de responsable dans votre récréation pardon rédaction. pic.twitter.com/csh4udk3mf, Kadjaziri, @Kadjaziri, Augustin, 2018. C'est en réponse à ce tweet que Karim Benzema a lui-même réagi, qualifiant donc le site de pathétique. pathétique@atlantico-fr, https://ht.co/6cubeidxger7, Karim Benzema, @Benzema, Augustin, 2018. Après avoir modifié l'article originel, Atlantico n'a pas donné d'explication à cette erreur ou prononcé d'excuses, malgré la demande insistante des internautes sur le compte Twitter du site. Booba et Karis, la vidéo de leur affrontement dans les couloirs d'Orly https://ht.co/cupmfdpic.twitter.com/7bicyukxohq8, Atlantico, @Atlantico-fr, Augustin, 2018.